c'est le porte-drapeau en puissance donc du football français, du football français en Ligue des Champions. Et pourtant, souvenez-vous, lors du tirage au sort de Monte-Carlo en début de saison, eh bien, lorsqu'on avait vu que Lens tombait avec le Bayern de Munich, avec Milan et avec la Corogne, on avait fait la moue et on avait dit, Jean-Michel, c'est le groupe le plus dur. Et pourtant, Lens peut ce soir être le seul qualifié français. Lensois s'envoie pour récupérer les ballons au milieu du terrain. Voilà. Oui, oh, oh, superbe. Oh, quel but. Superbe but. Oui. Dalia Mizic, attention, il peut y avoir danger. Oh, oh les oh, buts. Ils n'y sont pas, les Lensois. De Varmuz sur ce centre-tir de Dalia Mizic. Blanchard devant, attention, peut-être Koulibaly va pouvoir centrer. Ouais, et but contre son camp. Décidément. Ah ben, c'est gentil. Décidément, le match est relancé. Oui. Oh, Fink qui a perdu le ballon. Allez, tout de suite, maintenant, voilà. Allez, John, jusqu'au bout. Oh, enlevé le ballon par Thorsten Fink. Ce n'est pas tout à fait terminé. Non. Quelle occasion. Eh oui. Et voilà, but de Bakary. But, il s'est rattrapé, Dagui Bakary. But de Dagui. Super, il essaie de rebondir le ballon. Attention. Oh que c'est bien. Oh que c'est bien. Oh la barre. Oh que c'est bien. Et là ça pas suffit. Follner marque. Et but Follner. De Follner à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, 86e minute. Moreira vers Blanchard et but. Égalisation. Et égalisation. But. 3 minutes et donc eh bien ils ne l'ont pas cette victoire, tant mieux et une belle réaction. Réaction d'amour propre des Lensois. Philippe Lam qui va entrer. J'ai cru qu'il avait sifflé la faute de Salihan Mizic. Il a laissé l'avantage. Blanchard qui s'est faufilé et qui est allé jusqu'au bout de son action.